Bienvenue dans ce nouveau conte fictif épique et fantastique narré par Kino. Aujourd'hui, il va vous raconter l'histoire qu'il a imaginée autour du nom du grognard Kakak. Et ça fait bien rigoler Kino, parce qu'on dirait presque que le nom du grognard c'est Kaka. Bref. Rappelez-vous à l'O3, si vous n'y avez jamais joué, il se trouve à votre disposition dans la Master Chief Collection, le jeu Halo que tout fan se doit d'avoir. Bref. Vous vous rappelez la mission l'Alliance Covenant? Troisième mission de campagne en partant de la fin. Si vous n'y avez jamais joué, cette mission est présente dans Halo 3, présent dans la Master Chief Collection. Vous vous rappelez de la cinématique d'ouverture? C'est la guerre! Les canons Covenant font feu, le Master Chief est largué. Si vous ne l'avez jamais vu, la cinématique se trouve dans la mission l'Alliance Covenant. Troisième mission de campagne en partant de la fin, présent dans le jeu Halo 3, présent dans la Master Chief Collection. Je vous prie de suivre. Le Master Chief est descendu de son pélican et est passé rapidement, détruisant tous les ennemis qu'il pouvait croiser. Tous? Non. Il y a eu des survivants. Quelques grognards s'étaient courageusement cachés un peu partout sur la map en bord de plage. Il devait y avoir 5 ou même peut-être 6 grognards, si l'on comptait le plus petit d'entre eux, un jeune grognard appelé Kakak, qui vivait là sa première mission au sein du Covenant. Un fantôme arriva peu de temps après et déposa 3 brutes qui semblèrent gigantesques face aux grognards. L'une d'elles, encore plus imposante, regarda autour d'elle et s'approcha des réfugiés grognards. Les petits Covenants se sentirent soudainement mieux. Ils étaient sauvés. Il n'en était rien. La brute attrapa le premier grognard et d'un geste brusque le souleva, approcha son visage du sien avant de l'étrangler jusqu'à la mort sans suive. Il lâcha alors son cadavre sur le sol. Les grognards crièrent et partirent dans toutes les directions. La brute ordonna par un grognement à ses 2 frères d'armes de les exécuter pour les punir de ne pas être morts sur le champ de bataille. Alors qu'ils levèrent leurs armes, un grognard se dressa devant eux, le visage légèrement baissé, les yeux relevés, son air menaçant aurait intimidé n'importe qui. Kakak avait survécu au pire et était prêt à se défaire des chaînes qui l'emprisonnaient au Covenant. Le leader brute, d'un geste de la main, ordonna à ses frères de baisser leurs armes. La brute fit un pas en avant. Kakak ne bougea pas. La brute refit un pas en avant. Et Kakak ne bougea toujours pas. Finalement, le grand Covenant s'accroupit devant le plus petit et approcha son visage au plus près de celui qui lui tenait tête. Kakak ne bougea pas. On pouvait sentir sa respiration forte. D'un geste rapide, la brute se redressa, saisit le grognard et lui arracha le masque qu'il avait sur le visage qui l'aidait à respirer, puis l'envoya valser au loin. Kakak mit plusieurs longues minutes pour mourir. Ses frères dispersés ne furent pas retrouvés. La brute se renvola avec les siens. La morale de cette histoire, c'est que si tes potes sont pas trop cons, tu peux peut-être arriver à te sacrifier pour quelque chose. Ceci était une fiction racontée par Kino, s'intégrant à l'univers Halo. Le genre d'histoire que vous pouvez raconter à vos enfants ou petits frères pour s'endormir. J'espère qu'elle vous aura plu, Kakak vous dit bonjour, et moi, je vous dis vive Halo!